Bonjour, nous venons de terminer une semaine de campagne électorale qui nous a mené de Dakar Bango Sud à Pikine, à Fass Ngom, à Djamagen, à HLM Léona et aujourd'hui au niveau de l'île de Saint-Louis. Cette semaine nous a permis de rencontrer les populations, puisque nous passons la journée dans les quartiers que nous visitons, de les rencontrer en petits groupes, parfois en nombre important, et en fin de journée, à faire un meeting de synthèse. Les rencontres sont l'occasion pour les populations d'exprimer d'abord leur enthousiasme par rapport à la démarche, par rapport à la politique du président Macky Sall, mais aussi d'exprimer leurs inquiétudes, les difficultés qu'elles rencontrent. Et c'est pour nous l'occasion d'expliquer encore plus largement les résultats obtenus par le président Macky Sall et ensuite de répondre aux questions que les populations se posent et d'aborder les perspectives qu'offre le programme du président Macky Sall pour son prochain mandat. Nous avons été dans des zones différentes. À Bango Sud, par exemple, les questions qui se posent sont les questions de pistes, sont des questions sur l'eau, l'électricité. À Fass Ngom, dans les villages que nous avons visités, une quinzaine de villages. Là aussi, c'est les questions de pistes, c'est les questions d'eau, d'électricité et les questions aussi d'allègement du travail des femmes à travers la demande de mise à disposition de moulins. À Djamagen, à Léona, mais aussi à Darou, au Clair, à Medina Marmial et à Ndiolofène, ce sont les questions d'assainissement qui sont les questions de premier plan. C'est les questions aussi de bitumage, de route. C'est les questions d'accès des femmes et des jeunes au financement que l'État met à leur disposition. Et si vous regardez bien, les questions posées entrent bien dans un programme du président Macky Sall, c'est le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, dont les quatre axes sont l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, la construction de pistes de production et enfin l'allègement du travail des femmes. Il s'agit donc d'intégrer la région de Saint-Louis et particulièrement le département de Saint-Louis et les communes, les cinq communes de Saint-Louis dans le cadre du PUDC. Nous avons eu aussi à expliquer qu'aujourd'hui, est mis en œuvre à Saint-Louis Promoville qui permet de faire accéder un certain nombre de quartiers à des rues, à des routes d'allée. C'est aussi la mise en place d'un programme important d'assainissement qui est un programme qui concerne plusieurs grandes villes sénégalaises et Saint-Louis fait partie de ces villes-là. Enfin, c'est la mise en exergue du programme du projet DER, qui est la délégation à l'emploi rapide pour les femmes et les jeunes, qui a déjà ici financé un certain nombre de projets. Et il nous faut sans doute accompagner les jeunes et les femmes, et aussi les artisans, puisque j'ai reçu les artisans du bois, pour qu'ils puissent monter leur projet et que le projet soit un projet qui est acceptable dans le cadre de l'ADER. Et ceci est un travail que nous faisons d'ailleurs avec nos militants pour les aider, les accompagner, les encadrer pour qu'ils puissent accéder à ce crédit-là. Des questions ont été posées, par exemple, dans le quartier d'Arou sur le stade qu'ils ont et qu'ils souhaitent être mis à niveau pour permettre aux jeunes de pouvoir disposer au moins
d'un cadre d'exercice du sport. Et de manière générale, nous avons vu qu'à Pékin aussi, l'école est revenue, puisque les populations ont soulevé deux questions essentiellement. La première, c'est la surcharge des classes au niveau du primaire. Et la deuxième, c'est la création d'un lycée à Pékin. Donc, c'est des rencontres, je dirais, des populations qui leur permet, parce qu'elles sont en confiance avec un leader auquel elles sont proches, d'exprimer leurs besoins, d'exprimer ce qui leur semble être les questions les plus pressantes à résoudre dans leur quartier. Et ceci nous a permis évidemment de mieux connaître les quartiers de Saint-Louis que nous avons visités et de mieux connaître non seulement la composition de la population, qui à certains endroits est très variée et très diversifiée, et les activités qu'exercent ces populations aussi sont variées. Parfois, c'est dans un coin de quartier, vous avez un regroupement en fait de gens qui ont le même métier. Et ceci aussi nous a permis de voir que dans certains quartiers, il y a aussi des regroupements ethniques qui sont importants et dont il faut prendre en charge les besoins spécifiques. Le volet religieux n'a pas manqué dans cette démarche-là. Les populations ont soulevé parfois des mosquées achevées, des mosquées qui sont dans un état de délabrement, des daras qu'il faut rénover ou des daras à construire. Et cela a été aussi pour nous l'occasion d'expliquer la politique du président Macky Sall, de non seulement des daras modernes, mais surtout la création du baccalauréat arabe et la revalorisation de l'enseignement arabe au niveau du secondaire et du supérieur à travers la création de ce bac qui est une sorte de renforcement, mais surtout d'alignement de la filière de formation arabe sur la filière de formation française qui avait tous les honneurs, et désormais les honneurs sont partagés. Il y a une égale dignité entre étudier en français et étudier en arabe. Il y a eu d'autres questions un peu plus incidentes sur l'orientation des bacheliers qui nous a permis de dire qu'on a offert une dernière chance encore aux bacheliers qui n'avaient pas saisi leur première chance et que Campus N était ouvert. Nous avons aussi rencontré des jeunes qui, en fait, pas des jeunes, c'est la petite enfance qui s'intéresse aussi à cette campagne électorale, qui a aussi ses petits soucis de sport, ses petits soucis artistiques, etc. Voilà, nous avons vu qu'on a une campagne très engagée, une campagne où la population est attentive, une campagne où nous sommes reçus à bras ouverts dans les différents quartiers de Saint-Louis. Et cela, évidemment, nous conforte dans le projet que nous avons, qui est que le président Macky Sall sera sans aucun doute élu au premier tour le 24 février ici à Saint-Louis et très largement. Et cela d'autant plus que les quartiers qui étaient les plus sensibles, les quartiers où nous avons toujours été battus, aujourd'hui, le vent est en train de tourner et nous pensons qu'il est tout à fait à notre portée de gagner quasiment tous les bureaux de vote à Saint-Louis. Totalement, j'ai choisi d'être avec les populations. J'ai choisi de leur rendre visite. J'ai choisi d'être en toute convivialité là où elles vivent, dans les ateliers où elles s'exercent et dans les lieux d'activité sportive qui sont dans les quartiers. Et je pense que c'est aussi cela, la proximité. J'ai refusé de faire ce que beaucoup de personnes font, entrer dans des voitures décapotables, lever les mains au ciel et circuler en faisant beaucoup de bruit dans les quartiers. Ce n'est pas mon choix.
mon choix, ce sont les populations, ce sont les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens, c'est d'être en communion avec elles, à la fois dans leur bonheur, mais aussi dans leurs soucis, et être un réceptacle, évidemment, de leurs revendications, de leurs solutions, pour pouvoir construire cette base de données qui nous permettra de répondre à légitime. C'est d'abord cela, d'abord convaincre les populations, mais aussi convaincre des leaders politiques qui étaient dans l'opposition en 2017 et qui nous avaient battus dans ce quartier-là. C'est cela, nous avons la chance, nous en avons beaucoup qui nous ont ralliés et qui sont aujourd'hui en train de faire le combat à nos côtés pour que nous puissions gagner ces différents centres qui sont importants. Et c'est la même chose aussi ailleurs, y compris à Gendar, et où aussi nous avions perdu en grande partie, et que nous avons aujourd'hui des responsables de premier plan qui sont avec nous et qui travaillent avec nous. La deuxième, nous continuerons dans cette stratégie de proximité qui est la nôtre, c'est-à-dire aller passer la journée dans un quartier ou visiter les villages successivement en prenant comme appui un village pivot et jumeler cela avec des audiences de leaders qui souhaitent nous rejoindre. Et nous pensons que cette deuxième semaine va conforter les résultats obtenus lors de la première semaine et va nous permettre d'entamer la dernière semaine dans des quartiers où nous sommes très forts, qui sont des quartiers où nous sommes sûrs de gagner très largement. Que le nombre est très faible comparé au nombre d'électeurs, parce que quelques milliers de gens qui n'ont pas reçu leur carte, alors qu'on a presque plus de 150 000 électeurs qui n'ont pas récupéré leur carte d'électeur. Mais il faut les inciter parce que le vote est quand même un devoir citoyen. Et je crois que toute citoyenne et tout citoyen doit s'en acquitter. C'est pourquoi je les appelle, j'appelle tout le monde à aller récupérer sa carte d'électeur et à voter le jour, le 24 février, pour son candidat de choix. Mais évidemment, nous souhaitons qu'il vote pour notre candidat, à savoir le président Macky Sall. Oui, nous sommes un pays démocratique, nous sommes un pays de liberté, nous sommes un pays de transparence. C'est pour cela aucun appel à la violence ne saurait prospérer. Et c'est pourquoi j'ai confiance à mon peuple, j'ai confiance aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Ces élections se dérouleront dans la paix, dans la stabilité, en toute transparence. Et en fin de journée, celui qui va gagner sera le prochain président de la République. Et je souhaite évidemment que ce soit mon candidat, le président Macky Sall.